Le djembé, tu regardes cet instrument, c'est comme si on colle des djembés ensemble. Alors, le djembé, il y a trois notes dans le djembé. C'est, donc avant de jouer, je vais expliquer un peu d'abord. Le pot de djembé, c'est presque le même pot que le tamant. Le pot, c'est le chef. Donc la corde, ça c'est l'hilo, mais avant on faisait le djembé avec les peaux de chèvre aussi, à la place de l'hilo. Maintenant, comme c'est plus facile à trouver les l'hilo comme ça, donc le djembé traditionnel, ça n'existe presque plus maintenant. Pour avoir le djembé vraiment traditionnel, il faut aller dans les villages. Mais djembé comme ça, c'est pas que ça ne joue pas, ça joue très très bien. Les différents jouent. C'est les façons à faire maintenant avec les cordes du long. Et c'est bien parce que ça facilite les créations. Alors, le djembé, ça se joue comme ça. C'est trois notes basses. Ça, c'est trois notes, le djembé. Alors, cet instrument. Presque c'est la même famille que le djembé, mais il a plus de possibilités que le djembé. Il est petit, mais sa possibilité, ça dépend comment il est fait. Djembé, il n'y a qu'une seule peau.
Dans cet instrument, il y a deux pots parce qu'il y a deux côtés grands. Donc le contact, c'est communiqué automatiquement. Alors le pot aussi, c'est le chèvre. La corde, c'est le coton. Pour avoir le son de cet instrument, on l'utilise, on met comme ça ici. Le djembé, il y a trois notes, mais cet instrument, il y a sept notes. Sept. Alors, pour avoir le son, si on fait le... Avec, par rapport à le mouvement des bras, le son, ça change. Comme ça. Et après, qui est intéressé à essayer, je vais le montrer. Mais d'abord, toi, tu es le premier. Mais d'abord, je vais montrer comment on joue. Alors, on met, si on met les instruments ici, toujours, ça dépend du mouvement du bras. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui jouent comme ça. Bien, il y en a aussi des gens qui jouent comme ça. Tout ça c'est bon, mais si on arrive à utiliser tous les deux doigts, tu es plus riche musicalement parce que tu peux t'amuser avec, par exemple. Thank you.